Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un business qui révolutionne aujourd'hui le monde, qui révolutionne le monde digital. Aujourd'hui, je vais te le présenter et ça va te permettre vraiment de te lancer et de gagner énormément d'argent, quelle que soit ta position dans le monde entier. Tu peux exercer ce business-là si tu n'as pas encore trouvé quelque chose de concret que tu fais dans le monde. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum avec tes amis. J'ai réservé pour toi un petit cadeau qui est en description de la vidéo. C'est 15 idées de business que tu peux lancer aujourd'hui à partir de 0 francs et 0 investissement. C'est en description de cette vidéo. Tu cliques directement et tu accèdes à ce lien-là. Top, c'est parti! Le business que je te présente aujourd'hui, c'est le métier de shooter. Devenir photographe shooter, c'est un business aujourd'hui qui rapporte énormément d'argent et tu n'as pas besoin d'être super bon, d'être super doué ou bien d'avoir d'équipement de pointe. Non, tu as juste besoin de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas voir que tu peux en fait exercer ce métier-là tranquillement et gagner énormément d'argent. En fait, aujourd'hui, avec l'évolution du personal branding, l'évolution de la mode, l'évolution du digital, c'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent parce que beaucoup de personnes en fait font des photos shoots. Beaucoup de personnes font des photos shoots et vous savez ce que coûte une photo shoot, ça coûte vraiment de l'argent. Donc, tu vas pouvoir gagner de l'argent en faisant aux gens des photos du genre, d'accord? En faisant des photos du genre aux personnes, tu vas pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Il te suffit simplement de suivre les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin pour faire des photos shootées aux gens, comme ces photos que tu vois directement à l'écran ici? C'est très simple. Tu as besoin en fait d'avoir des reflets, c'est-à-dire deux reflets, deux caméras reflets ou bien deux appareils photo reflets que tu vas acheter. D'accord? Là, si tu veux devenir photographe professionnel, shooter professionnel, il te faut ça. Il y a aussi l'option de devenir un amateur, d'accord? Je vais te le dire vers la fin de la vidéo. Et où est-ce que tu peux obtenir en fait ces outils de travail-là, ces instruments de travail-là? Je vais te le dire, tu peux les acheter en ligne comme tu peux les acheter dans des boutiques physiques. C'est vraiment très, très simple. Et puis, tu n'as pas besoin de tout te casser la tête. Donc, tu as besoin d'avoir au moins deux réflexes, d'accord? Pour pouvoir prendre des vues, d'accord? Et tu as besoin en fait des optiques que tu vas acheter, d'accord? Des optiques pour pouvoir régulièrement changer les objectifs, d'accord? Tu as besoin des flashs pour pouvoir illuminer ton environnement, ton studio. Parce que si tu veux prendre des photos shoot aux gens dans la nuit, tu as besoin d'éclairage. Même dans la journée, tu as besoin de régler un peu ton éclairage. Maintenant, c'est vrai que peut-être que tu es débutant et que tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter tout ce matériel-là. D'accord? Je vais te dire comment tu vas faire. Maintenant, si tu as les moyens pour acheter ce matériel, je te laisse en description de cette vidéo, d'accord? Les liens pour accéder, pour acheter tous ces matériels-là de qualité, sur des plateformes vraiment bien reconnues et tu pourras être livré depuis où tu es. D'accord? Je vais te mettre ces liens-là en description de cette vidéo. D'accord? Tu as besoin de cartes mémoire. D'accord? Tu as besoin de batteries de rechange. D'accord? Parce que tu ne peux pas être en pleine photographie et puis tes batteries vont se décharger ou bien tu seras à court de batterie. Donc, il faut prévoir au moins deux ou trois batteries de rechange pour pouvoir tenir dans ton activité. D'accord? Tu as aussi besoin d'avoir un sangle pour pouvoir bien fixer, une sangle pour pouvoir bien fixer en fait ta caméra à la main pour pouvoir bien te déplacer, mieux te déplacer et prendre des vues. En fait, ça, c'est l'équipement qu'il te faut si tu veux être photographe professionnel. D'accord? Un professionnel, c'est quelqu'un qui vit du métier. D'accord? Maintenant, si toi, tu veux être juste un amateur, tu veux juste expérimenter, essayer, il y a aussi la possibilité de le faire avec ton smartphone. Avec ton smartphone, et il te faudra ensuite par la suite, d'accord, des logiciels pour pouvoir traiter les images. Il te faudra des logiciels pour pouvoir traiter les images. Tu pourras en trouver des gratuits comme des payants. Mais de toute façon, les logiciels gratuits ne pourront pas avoir toutes les fonctionnalités. Mais au moins, ça te permettra, d'accord, de pouvoir te lancer et de faire et de pouvoir commencer sur Internet avec beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, si tu veux être professionnel, je te conseille vraiment de regarder la description de cette vidéo. Tu verras un lien qui te permettra d'accéder à tous ces équipements-là pour pouvoir te lancer réellement dans ce business-là. Parce que c'est un métier qui révolutionne aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent avoir de la visibilité. Beaucoup de personnes veulent avoir un bon branding pour attirer du trafic, pour influencer dans leur business. Et donc, ce métier va de pair avec les business en ligne et tous les business aujourd'hui. Parce que tout le monde veut avoir une bonne image de marque. Et une bonne image de marque passe par la photographie, le visuel. Et toi, tu vas profiter donc de cela pour pouvoir te faire de l'argent. D'accord? Tu as besoin d'un sac de rangement pour ranger ton équipement tranquillement. Tu as besoin d'un trépied pour pouvoir fixer ta caméra
et prendre donc des vues et enregistrer des vidéos, même si tu le veux, avec n'importe quelle position. Voilà. Tu as besoin aussi d'un ordinateur, puisque je parle d'un photographe professionnel. Tu as besoin d'un ordinateur pour traiter les images, pour enregistrer tout, pour analyser tout sur ton ordinateur, traiter les images, la qualité, installer les logiciels pour faire tout le travail qu'il faut. Tu as besoin d'un ordinateur. Et comme je le dis toujours, tu peux le faire avec un smartphone. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir un ordinateur. Si tu es amateur, si tu veux juste te lancer avec les moyens de bord, tu peux le faire avec ton smartphone. Donc, ce métier que je te présente, ce n'est pas forcément que tu vas avoir tous les équipements que je te présente. Tu peux faire tout cela avec ton smartphone. C'est juste que pour devenir professionnel, il faut que je te montre les outils qu'il faut. Là, tu as besoin aussi de logiciels. Et logiciels de montage vidéo comme Lightroom, Photoshop, d'accord? Tu as besoin en fait d'avoir ces logiciels-là pour pouvoir traiter les images et avoir une bonne qualité pour attirer donc du trafic. Et tout cela va nécessiter un peu de formation. Je te laisse vraiment le lien en description de la vidéo pour pouvoir accéder aux différentes formations qui vont te permettre en fait de te lancer dans ces métiers du digital, dans ce métier du digital, les qualités dont tu as besoin, les outils dont tu as besoin, comment tu vas procéder. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir chez quelqu'un pour apprendre ce métier-là. Tu as juste besoin de regarder en description de cette vidéo. Tu vas trouver une petite formation qui va pouvoir te permettre de le faire, d'accord? Juste chez toi, tu vas pouvoir apprendre rapidement comment tu vas procéder pour réussir ce business-là sur Internet, d'accord? Donc, c'est un métier que tu peux lancer aujourd'hui avec ton smartphone, un smartphone de bonne résolution, un smartphone au moins de mémoire RAM 3 avec une bonne résolution pour les caméras. Tu peux déjà te lancer dans ce business-là sur Internet. Peu importe où que tu sois dans le monde, c'est un business que tu peux exercer aujourd'hui. Tu peux choisir de devenir photographe shooter professionnel. Et là, le lien est en description de la vidéo pour pouvoir avoir l'équipement complet. Que tu sois en France, en Europe, en Amérique, partout en Afrique, tu pourras te lancer dans ce business-là. Aussi, tu as besoin d'avoir des cartes mémoire, c'est-à-dire ou bien des disques de stockage pour pouvoir stocker tes données. Lorsque ces données-là seront vraiment très lourdes, de grande qualité, de grande capacité, tu pourras les stocker pour ne pas les perdre. Parce que tes clients peuvent revenir demander en fait les photos qu'ils avaient faites et toi, tu pourras donc simplement les servir. Donc, voilà un peu le business que je voulais te présenter. Et c'est un business qui marche beaucoup, qui marche vraiment bien en Afrique, qui marche en Europe, qui marche partout dans le monde. Donc, où que tu sois, tu peux aujourd'hui décider de te lancer dans ce business-là tout en faisant ce que tu fais déjà. Donc, tu as juste besoin de tout ce que je t'ai présenté là et tu verras que tu vas réussir en suivant une petite formation dont je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir réussir ce business-là aujourd'hui et te faire de l'argent. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum avec tes amis. Et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.